Salut à tous, c'est Thomas de chez Vélo Brival. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter trois modèles donc, de cubes VTC électriques. Donc un Urid, un Katmandou et un Touring avec trois cadres différents. Le Easy Entry, le Normal et le Trapèze. Voilà, donc j'ai fait exprès de prendre trois modèles différents avec trois cadres différents. Comme ça, on voit bien un peu les différences qu'il y a entre ces trois modèles. On va commencer par le Urid. Donc Urid en 625. Avec moteur Bosch Performance Line, donc on est en 75 Nm de couple. Pas de porte-bagages, contrairement aux deux autres. Il va avoir la console Purion 200, celui-ci. Voilà, très, très bon vélo, idéal pour aller dans les chemins, faire un peu de randonnée sur la route, piste forestière. Enfin, voilà. C'est un super vélo qui a un cadre assez étroit. On est proche du cintre, on a une position droite très confortable. Voilà, avec lumière intégrée forcément comme tous les autres directement. Ensuite le Katmandou, donc avec un porte-bagages cette fois-ci, un Katmandou hybride, cadre droit, un peu plus pour des personnes un peu plus grandes, et puis surtout quelqu'un qui veut quelque chose de plus rigide également. Moteur Performance CX, 85 Nm, avec le Kyox 300 cette fois-ci. Toujours avec la console déportée, lumière intégrée, etc. Les garde-boue, une fourche X-Fusion avec réglage d'air. Ouais, donc on peut régler directement la dureté, régler au poids de la personne la fourche. Et ensuite le Touring, le plus polyvalent, je dirais, avec donc le 4 trapèze qui est pas mal. Toujours le porte-bagages le même que le Katmandou. Avec cette fois-ci l'intubiassant. Voilà, donc c'est un compteur qui se clipse en quart de tour et qui se connecte directement en Bluetooth. Il n'est pas filaire avec la commande déportée. Ça pareil, donc c'est un super vélo qui est un petit peu moins cher qu'un Katmandou, mais par contre qui a l'avantage lui d'avoir un porte-bagages. Par contre, il sera beaucoup moins typé chemin que le Urid qui aura des pneus à crampons. Voilà, donc n'hésitez pas à venir les voir en magasin directement ou alors sur notre site internet. Merci beaucoup, à bientôt.